Bon, eh bien voilà, 16 juin, donc c'est le jour de la course, c'est le jour de la corrida. Ça fait un mois et demi que vous me suivez un petit peu tout au long de mon entraînement. Donc sur un effort comme le 10 km route, qui est un effort très très intensif, il est hors de question de partir à froid ou quasiment à froid, bien sûr. Pour ce faire, là, la course est dans à peu près 4 heures, je vais commencer à réveiller mon corps. Donc j'ai mangé léger ce midi, hein, j'ai mangé une omelette au tofu, de façon à apporter des protéines, avoir suffisamment de consistance pour me tenir sur cet entraînement d'après-midi, et puis pour être relativement léger d'ici à ce soir. Donc là, je vais vous faire partager ma séance, donc avec un réveil musculaire, des étirements très légers, et puis des automassages, d'abord sur les membres inférieurs, et puis après sur l'ensemble du corps, de façon à stimuler l'intégralité de mon organisme. Donc je finirai après avec un travail respiratoire et puis j'irai courir 10 minutes. Donc un rythme très très lent, vraiment pour reprendre tous les réflexes et réveiller mon corps, réhabituer mon corps. Voilà, à tout à l'heure.
Voilà, ça y est, 10 km terminé. Donc 40 minutes, 20, 30 secondes. Donc résultat, ok. Course, ok. Je vais rapidement avoir faim, donc j'irai manger. Et je vous mettrai très prochainement en ligne mon programme. Et j'ai préparé un petit article donc à finaliser demain. J'attendais juste de voir si le programme était adéquat et cohérent avec l'objectif. Donc a priori, oui. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt.